faire que la porte d'entrée est fermée à double tour et le téléphone décroché. Oh oui, c'est l'heure du match. Et rien, je dis bien rien, ne doit jamais s'interposer entre un coach et un match de Blood Bowl. Bonjour, chers amis fans de sport. Des joueurs de talent sur le terrain. J'espère qu'ils vont nous offrir un spectacle digne de leur statut. Nous nous retrouvons pour une rencontre au sommet dans un environnement tout à fait adéquat. Voilà les pom-pom girls qui débarquent. Béni soit-elle. Ce soir, au programme de la violence et de l'action, l'une des deux équipes a les faveurs des pronostics, mais rien n'est jamais écrit. Les hommes lézards excellent dans certains domaines, mais sont exécrables dans d'autres. Pour faire simple, les skinks sont en mousse et les saurus sont de main gauche. Tu portes du parfum, Jim ? Non, c'est une fragrance. Rien à voir avec du parfum, Bob. Tu aimes ? Ça s'appelle Charogne numéro 5. Thank you.
facile à prendre dessus. C'est le moment de vérité. Ah, on appelle ça le baiser des Néphèles. Ce joueur va se prendre un coup dessus et en dessous de la ceinture. Il a pris le ballon. Je suis censé dire quelque chose de marquant ou de spirituel ? L'attaquant bénéficie de soutien. Allez, Saurus, ça t'a vu. Crac, boum, nu. J'aime bien ajouter mes bruitages à moi. Du corps à corps. Je sens que ça va me plaire. Les sorciers appellent ça l'énergie cinétique. Oh.
avancer sans risque. Ces griffes rentrent comme dans une tourte halfling. Ce joueur est mort, mais je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas toujours une mauvaise chose. L'équipe forme une cage autour du ballon. Pas bête comme tactique. Il se tire d'une situation épineuse. Ils s'acharnent sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Tu as déjà goûté la croxiade, Bob ? Une boisson énergétique concoctée par les Skaven du clan Pestilence ? Sans façon, je suis pas une flèche d'accord. Mais je suis pas stupide à ce point. Ce n'est pas toujours le favori qui gagne, mais cette fois-ci... Il se casse une jambe. Il va trop vite. Mes yeux. Parce que l'arbitre arbitre.
un petit somme et il nous reviendra peut-être tout à l'heure. J'espère qu'il sait ce qu'il fait avec de tels adversaires dans le coin. Ce colosse va-t-il réussir à étendre un adversaire de moitié sa force ? Il tape sur des crânes et numéro 1. Dans sa jungle, on est fou, comme on est gardien du temple. Cette formation permet d'avancer sans trop de risques. Ça va être dur de leur arracher le ballon. Moins il y a de défenseurs autour du ballon, plus le porteur est libre de ses mouvements.
cherche clairement le corps à corps. Vas-y, mon gars! Mords-y l'œil! C'est toujours risqué de tout donner pour piquer un sprint. Ce joueur aura bien mérité sa prime. Ils veulent récupérer le ballon. Ah, il était temps. Il est pas loin de la zone de but. Allez les gars, tous ensemble! Il reste droit comme un piqué! Ce joueur se rapproche d'un coéquipier. Ce joueur préfère se battre entouré. Ils ont subtilisé le ballon au nez et à la barre de l'adversaire. Impressionnant. Thank you.
est très déséquilibré, Bob. Eh oui! Son adversaire va se faire atomiser! J'en suis tout émoustillé, Jim! On dirait qu'il bouge. Ah non, pardon. L'effet domino en action. Formation solide. Je demande à voir comment l'adversaire va subtiliser le ballon. On libère le porteur de balle. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Bon geste. Comme ça, le ballon est moins menacé. Le soutien suffira-t-il à prendre le dessus? Encore un pas et... Le fair play, c'est surfait! Une bonne baston comme celle-ci aura toujours sa place dans le sport. On ne s'y retrouve plus. Même Tinch aurait du mal à démêler ce patras.
Je suis déçu. Personne n'a été allongé. Ça ressemble curieusement à un vieux spectacle traditionnel d'Estalie. Ouais, je connais la taureau. Hey, la tauromachie. L'attaquant bénéficie de soutien. Il suffirait d'une clôture pour empêcher que les joueurs se fassent étriper par la foule. Je dis ça comme ça, hein? Ça ne trompe pas. Il va rester dans les vapes un bout de temps. Robuste le gaillard. Ça va faire mal demain matin. Ce joueur est rapide comme une traînée de poudre. J'en ai connu des traînées. C'est vrai qu'elles étaient rudement rapides. Allez les gars, tous ensemble! Tel le roseau, le joueur plie, mais ne rompt point. Ah.
joueur va se prendre un coup au-dessus et en dessous de la ceinture. Imaginez la frustration, si près du coup de sifflet. Touchdown! Le match est lancé pour de bon. L'apothicaire va devoir sortir l'éponge magique cette fois. Avec un retard d'au moins 3 joueurs, je ne vois pas ce que cette équipe pourrait espérer. L'équipe mène au score, mais elle va maintenant botter pour l'adversaire. Ils vont essayer de récupérer le ballon au plus vite. Comment veux-tu courir ou attraper le ballon si tu passes ton temps par terre à te tordre de douleur? En voilà un qui est aux fraises! Un des fruits les plus mortels qui soit! Pourtant, son horrible goût devrait nous mettre en garde! Ce joueur a quitté le match, et peut-être aussi son enveloppe charnelle. Ce joueur se roule par terre de douleur, Bob. Je crois que ses adversaires l'ont vu. Ils ont un meilleur toubib, soit ils cognent plus fort. Je ne vois que ça. Un joueur de moins, c'est facile à remplacer. Ils effectuent l'engagement. Maintenant, il va falloir tenir en défense.
été ton meilleur moment dans ta carrière de joueur, Bob? Le jour où j'ai marqué mon premier touchdown. Juste avant, j'avais arraché la tête d'un type qui m'avait saoulé dans les vestiaires. Pour rire, je lui ai collé le ballon sur la nuque et j'ai envoyé valser le tout dans l'embute adverse. Les arbitres ont dit que c'était parfaitement valable. Donc, touchdown! La FAE a changé les règles le lendemain. Bien avec le Blood Bowl, c'est que c'est fichtrement fédérateur. Des orques, des nains, des humains et même des hommes bêtes. Tous réunis pour en découdre sur le terrain. Ce joueur est un peu court sur pattes. Ah non, pardon, il est à terre. Magicien n'est autorisé que depuis la zone de la tribune dédiée. Jeu de se concentrer autant sur le ballon. Elle est où l'ultraviolence?
C'est là qu'on va se marrer. Ah, c'est le genre de cicatrice qu'on garde tout le reste de sa courte vie. C'est le genou qui a cédé. Taper quelqu'un de plus petit que soi. Y'a rien de meilleur, Jim! Ballon en ligne de mire, mais va-t-il pouvoir le ramasser? Ça court vite, ces gars-là. Mais quand on les attrape, ça claque en un tour de main. Oh, je n'en reviens pas qu'il ait raté cette action. Thank you.
10 joueurs viennent au soutien de leurs coéquipiers. Ces joueurs sont tout proches. Le combat paraît inévitable. Ce joueur préfère se battre entouré. Toi, tu aurais plutôt intérêt à courir. À quoi ce crime? Ils veulent se battre à 1 contre 11? Aïe! Ouh, c'était pas beau à voir. Oh! La zone d'embut n'est plus très loin! Je sens que ça va partir en sucette. Celui qui veut pas passer pour un con, il lui faut le ballon. Minute, un adversaire à terre. Ça va faciliter le travail de l'équipe. Bravo! Il s'acharne sur ce pauvre joueur comme des halflings autour d'un sandwich. Ramassez ce ballon tout de suite.
contre un adversaire cornu à certaine vitesse. Tu vises entre les deux yeux. Oui. Ouh, je ne voudrais pas être à sa place. Au moins, ses coéquipiers sont à portée de main. Moi, sans rue ! Moi, taper ! J'imagine que c'est ce qu'il dirait s'il pouvait parler. Oh, on dirait que le marchand de sable est passé. Faites attention à lui, c'est un escroc de première. De vérité. L'union fait la force. C'est bien ça! Qui dit plus de ballon, dit deux points pour cogner! Ça joue bien. Pas spectaculaire, mais ça joue bien. En général, plus c'est grand, plus c'est neuneux.
Je ne parle pas pour toi, Bob. J'ai entendu dire qu'il ne pouvait plus enfiler ses chaussures tout seul. Oh, oh là là! J'ai cru un moment qu'on allait insister à... Désolé de l'interruption. Si l'équipe perdante refait son retard dans le peu de temps qui reste, je veux bien manger le ballon. J'espère que l'éponge magique de cet apothicaire est chargée à bloc. Quelques-uns des joueurs KO ont repris du poil de la bête. Ah, je serais presque tenté d'aller donner un coup de main, Jim. Je vaux bien trois joueurs à moi tout seul, et j'ai bien envie de reprendre du service. Ah, plus que tout, ils doivent conserver la possession du ballon. Une contre-attaque serait terrible. Tu savais ça, Bob? L'astrogranite est un composé de sable, de gravier, de poudre d'os et de crâne d'agent viré. Délicieusement craquant. C'est un match crucial, Bob. Qu'est-ce que ça te fait d'assister à un match aussi important? Bon, bah la couenne, Jim. Repose-moi la question quand le terrain dégoulinera de sang. Le point de ce joueur fait approximativement la même taille que son adversaire. Avec ses troncs d'arbres qui lui tiennent lieu de bras, c'était un peu court d'avance. Thank you.
Personne ne s'est pu encaisser. De mon temps, Jim, ça ne serait pas arrivé. Toutes sortes de maladies. Ouais, des maladies. La mort. Voilà, ça c'est de la fin de match. Je préférerais encore me faire uriner sur un chien de corne que de me mettre en travers de sa course. Un adversaire à terre. Ça va faciliter le travail de l'équipe. Bravo! L'arbitre en regarde ailleurs. C'est bon, allez-y. Le coach en demande beaucoup à ce joueur. Ça me rappelle la célèbre histoire de la ligne et Roy. Ah, désolé de te couper, Jim, mais là, faut que j'intervienne. C'est pas parce que le coup de sifflet final va être donné qu'on n'a pas le temps pour quelques victimes. Si le joueur trébuche hors du terrain, il finira dans les tribunes. Et connaissant les fans de Blood Bowl, ce serait une très mauvaise idée pour lui. Allez les gars, tous ensemble! Ce joueur est un véritable mur! Oh.
échec qui risque de coûter cher à son équipe. Je sens que quelqu'un sera mis à la porte dès demain matin. Ah, ça en fait des touchdowns, Jim. J'ai perdu le compte. Bon, je sais compter que jusqu'à 3, mais ça fait bon.